Tout dans le nom de Jésus. C'est de la joie, c'est de la grâce encore pour nous rassembler dans le nom de Jésus et pour nous passer un moment d'écouter la parole de Dieu. Amen. Avant que nous écoutions la parole de Dieu, nous allons la conduite de Thomas Zoli témoignage. Mercredi, il y a l'occasion de bénir un pasteur avec Kentucky. Mercredi midi, je bénis le pasteur avec un Kentucky. Et mercredi tantôt, un quelqu'un de l'église Bénédicte, finalement un Kentucky. Ce jeudi, selon demain, un quelqu'un a une marque de mal pour l'ange. Et là, j'ai dit tantôt, un autre week-end n'a même pas été qui encore. Parce que la Bible, tout ce que nous plantons, nous pouvons récolter. Tout ce que nous plantons, nous récolter. Devant un moment comme ça, nous voulons nous autres planter. Avant de planter, avant de bénir les autres, avant d'investir dans les autres, et se retrouver sur pour récolter, bon Dieu pouvait juste dans le merveille. Un autre joli témoignage, comme j'avais raconté, c'est, nous avons organisé pour l'enrôler une équipe de l'église, pour la visiter, pour approcher la parole de Dieu, pour nous capables d'une bénédiction là-bas, visiter un jour dans l'hôpital là-bas, prier, ainsi de suite. On a petit fait Acts of Love, et le tel parti en part, à cause du confinement, nous nous a cancel Dieu, et le tel parti, willing, il est parti d'un jeu de policier pour jeter de nous l'argent. Donc, du coup, Dieu nous va un voucher pour revenir après. Il est parti des vouchers, nous tenions l'argent. Alors, nous tenions ferme dans sa verset Genèse 42, 28. Nous tenions ferme dans Genèse 42, 28. Et nous trouvons l'argent de nous tous. Ça, c'est maintenant une gain, nous m'appliquons. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et moi, pour m'encourager aussi, confesse la parole de Dieu tous les jours. Chaque fois avant de prêcher, il y a une série versets qui m'encourage de tout confesser. Divine vraie, de plus jeter témoin sur la vie, il y a un joli témoignage. Mais ça arrive aussi au la vie. Confessez jusqu'à qu'il divine vraie. Et aussi, nous, dans le pasteur Anne, nous sommes intervenants qui peut prêcher tous les samedis. Donc, on encourage, tune in. Hier, je peux s'insérer mes sens. Comment cheveux représente consécration, l'onction, consécration. Moi-même, on est bienvenu. Donc, on encourage aussi, je suis capable de tune in. Bien sûr, le bishop aussi peut apporter un joli enseignement, le bâton spirituel, ministère, ainsi de suite. Le tune in, le whole committee de l'église. Enfin, je te connais, mais stay in, mais stay tune in et je peux être béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant qu'il nous passe à la parole de Dieu, laisse-le faire nous dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, de mes oreilles, attentifs à te la voix, me commande, mes pensées, mon équerre, mon attitude, je suis captif à l'obéissance de Jésus-Christ, me déclarer Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie, Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice, nous vais déconfiner bientôt l'île Maurice, libérée de tout mal contrôle satanique, diabolique, infirmité, au nom de Jésus. Mon refuse, manquement, dans le nom de Jésus. Mon déclaré, mon multimillionnaire, qui est généreux. Amen. Avant que nous vivions la parole de Dieu, j'aimerais nous faire m'obliger à parler un moment. Si je ne pas comment parler, on dit à bon Dieu merci. Seigneur, mon Dieu, toi, merci pour ta parole, mon Dieu, toi, merci pour ta grâce. Mon Dieu, toi, merci parce que tu es un bon Dieu qui est bon, mon Dieu, toi, merci parce que tu es un bon Dieu qui est vivant. Mon Dieu, toi, merci, Seigneur, mon Dieu, toi, merci, mon Dieu, toi, merci. De présent parmi nous, la Bible est de présent parmi nous. La Bible est de présent en tout temps. La Bible est de présent, alléluia, 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 alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je viens pour qui la Bible est Genèse 42, 28. Mon argent pour être dans vos poches. Et la Bible de Genèse 31-41, moi la paye pour 20 fois plus. Alors, ceux qui ne font que journée, moi je peux raconter un témoignage, comment nous avons beaucoup l'hôtel à Rodrigue pour nous faire dans leur mission, nous avons prié pour Benjamin dans l'hôpital là-bas, nous avons un joli programme que nous avons fait, nous avons cancellé pour l'instant, et l'hôtel parti en ville, parti les ressources policières et tout, nous l'argent, si de nous elle va en choc pour revenir après,
mais nous continuons à maintenir le secret bon Dieu nous dit de sa parole. Nous l'argent retourne dans nos poches, Genèse 40 et 28. Et c'est à mine arrivé. Nous l'argent retourne dans nos poches, Dieu fidèle. Que la Bible dit bien faux, Genèse 43, verset 12, mon argent pour doubler dans mon armée. Je peux dire mon argent pour doubler dans mon armée. Il y a une bonne nouvelle par la grâce de Dieu, un frère qui parle de Maurice, et à l'extérieur, qui est connu. C'est un pasteur, j'ai voulu raconter un témoignage, depuis qu'il est béni au ministère, voilà, paye une doublée. Sur la paye une doublée là, et par la grâce de Dieu. Et il fait bien, bébé, par la grâce de Dieu, bébé là, béni, en même temps, la paye une doublée. Ça, ça me rappelle quand Jésus-Christ, il est né, ben, mage, dis-moi, tu sais bien, tu as un cadeau, tu as un lot, tu as tout ce qui vient vos enfants à grandir. Parents, occupe, écoute-moi. Arrête d'inquiéter au niveau finance. Vos enfants là, sur l'air, sur le dîner, sur le biberon, sur l'université, sur le mariage, sur le fiancé. Arrête de prendre un cas. Quand vos enfants là, bénis, puisqu'il y a des enfants bénis, bénis tout l'argent qui vient de différentes étapes sur la vie. Amen. Gloire à Dieu. Quelle Bible dit? Genèse 50, verset 20, verset la Bible concernant la protection. Genèse 50, verset 20, c'est qui doit te penser du mal pour faire moi. Bon Dieu, tout ça pour moi aussi bien. Quelle Bible dit? Zacharie, chapitre 2, verset 5, bon Dieu, un miracle qui fait autour de moi. Miraculeux autour de moi. Et dans Nombre 23, ni la sorcellerie, ni la divination, ni la jalousie, ni compétition, ni rivalité, pas capable tout ce monde. Amen. Et que la Bible dit à Exode 14, 14, l'Éternel est pour combattre pour moi. Confie sa main versée là, pour tout le monde. Si pour la nation, on peut dire un jour, qu'on fait un erreur, on fait une bêtise, on fait une chose qui. Vous savez, on regrette, c'est condamnation, puis on peut lire en jour. La Bible dit à des apôtres 28, verset 18. Mot, pas fait un nonier qui mérite la mort. Pas fait un nonier qui mérite la mort. Mais c'est la Bible, ça. Eh bien, chers, nous, avant Covid, avant confinement, le Seigneur dit met un verset dans l'équerre. Jean 19, le verset 11. Covid, de peinant aucune autorité, de peinant aucun pouvoir au monde. Amen. Confier sa parole de Dieu, c'est un la clé pour bien beaucoup de miracles dans la vie. Gloire à Jésus. Nous commençons à faire une série de messages à partir des trois semaines concernant le Saint-Esprit, concernant prier, tu marches par l'Esprit, prier, tu pries par l'Esprit. Nous trouvons la chambre haute qui va nous faire, comment tu es préparé. Nous trouvons beaucoup de petites choses. C'est un message que nous vous prêchons aujourd'hui, là, inspiré par un message qui est Bishop vient faire concernant un don spirituel, un don ministériel. Alors, je vais passer un moment, moi aussi, je vais connecter, je vais passer un moment, je vais enrichir moi-même avec l'étude autour de ça. Et pour qu'il apporte aujourd'hui, un don spirituel qui est bon Dieu, fin de nous tout. Comme verset de base, vous pouvez 1 Corinthiens, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 2 et le verset 1. 1 Corinthiens 2 et le verset 1. Merci Jésus. Vas-y, pasteur Rocham. 1 Corinthiens 2 et le verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Vous trouvez les dires concernant un don spirituel, donc les dires cadeaux. Bon Dieu qui nous fait nous beaucoup de cadeaux. Pour vous donner un exemple, pareil comment quand un enfant naît, ce maman, ce papa fait beaucoup de cadeaux. Côté sur l'aise, elle a beaucoup de qualité d'aise. L'aise pour l'hiver, l'aise pour l'été. L'aise qui a fini baigner, l'aise qui a fini sortir de la salle de bain, enveloppé. Différentes qualités d'aise, c'est un cadeau pour les enfants. Ça, c'est au niveau l'aise. Au niveau de se manger, se nourriture, tout ce qui a des biberons, tout ce qui a des quitteuses, nous parlons concernant les enfants. Concernant ce jeu, c'est un autre type de cadeau. Concernant ce développement, faculté mentale, intellectuelle, raisonnement, nous prenons. Si nous parlons de moustiques d'errance, ce bébé-là qui nous a acheté, qui va le parent finir acheté avant, quand le bébé là vient. Moustiquaire, c'est ça? Pas mousqueté, hein? Moustiquaire. Ça, c'est un cadeau pour protéger ce bébé-là. Ça, si nous prenons pas un cadeau pour protéger ce bébé-là. Peuple de Dieu, nous devons le bébé du Seigneur. Pareil qu'on appelle le bon Dieu, papa, daddy, papy, mais nous devons le bébé du Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous avons ce bébé, personne ne grandit, maturité spirituelle, mais là, on peut juste servir un jargon. Puisque nous sommes nés de Dieu, puisque nous sommes nés dans la famille de Dieu, bon Dieu nous accorde beaucoup de cadeaux. Un parti, ça va un cadeau-là, il protège nous. Un parti, ça va un don. Don. Cadeau-là, il aide nous pour nous grandir. Un parti, ça va un cadeau-là, il aide nous pour aider les autres. Maintenant, quand nous regardons 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit à mon frère, mon soeur, on fait l'exercice frère, mais quand je vais lire pour tout le prochain chapitre, ce n'est pas ce frère qui veut dire, il veut dire ma soeur aussi. Ça veut dire que tu peux dire, nous, un don spirituel, on ne va pas dire ministère spirituel, on ne va pas dire don ministériel, là.
Ça va se servir par potentiel d'enseignement comme un abandon apostolique et évangéliste, ainsi de suite. Ça, c'est abandon ministériel. Mais là, on peut causer en général abandon de guérison, abandon de miracle, qui nous compliquait un petit moment. Ok. J'aurais dit qu'on peut juste mettre une fondation, nous pour aller en détail après la semaine à venir. Maintenant, la Bible dit moi, quand c'est un abandon spirituel, il ne fallait pas être ignorant. Ignorant veut dire qu'il ne fallait pas nous rester pas connu. En tout cas, nous devons connaître ça. Il est important de nous avoir une information concernant ça. Il est important de nous avoir un éclaircissement concernant ça. Et ça veut dire que ce n'est pas réservé juste pour ceux qui ont un title dans l'église, pasteur, leader. Ça veut dire que c'est réservé pour tout le monde, frères et sœurs, tout le monde de l'église. Qu'est-ce que c'est Dieu? Pour appuyer ce qui m'a dit, qu'est-ce que c'est Dieu qui dit Dieu? Jésus, comme un frère, comme un qui longtemps tu fais prier idole. Jésus qui tu fais prier idole muet longtemps, et Jésus tu fais composer, selon ma idole, à Jésus, qui maintenant font partie de l'école de Jésus, qui m'a dit Jésus, qui est un don spirituel, Jésus available pour toi, Jésus disponible. M'aurait dit, bon Dieu de nous, chaque membre de l'église, bon Dieu qui de nous, un don spirituel, qui nous capable de manifester ses vies dans nos vies. Nous besoin de servir cet abandon spirituel là. Allez. Et vous partez de là dans Joël et Kitsus. Dans 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 11, Paul peut causer l'église. La même qui quand Paul peut dire, le verset 17, nous qui dit verset 17, un très très joli verset, ça, le verset 17. Monsieur Machin, le verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Hans, qui ne comprend pas ce verset-là? Je fais assembler ou c'est mon mauvais. Ou bien, aussi, nous sommes capables de dire, nous supposer assembler pour devenir meilleur. Régalez, pasteur Vachon. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Paul Pédiez. Au lieu de te rassembler pour une meilleure, je vais rassembler pour une pire. Mais qui ne t'y bizarre venir quand nous rassembler, Gemma? Meilleur. Chaque fois nous rassembler dans l'école des enfants, ben les enfants, vous avez une meilleure. Chaque fois nous rassembler dans le rayon jeune, ben les jeunes, vous avez une meilleure de ce qu'ils ont été eux-mêmes. Pas meilleure qu'ils ont été camarades, non. Meilleure de ce qu'ils ont été hier. Chaque fois qu'on écoute un message, chaque fois nous rassembler live ou bien même quand l'église pouvait être incessamment là. Rassemblement de l'église, le but c'est pour qui nous vîmes meilleur. The better of us should be displayed. Maintenant, je vous trouvais dans le verset 22, Paul peut continuer le verset 11, chapitre 11, verset 22, il fait cause à l'église de Dieu. D'ailleurs, le verset 26, il faut dire que je prends la Sainte Sainte pour aller avec respect. Ok. Quand je prie 1 Corinthiens chapitre 11, Paul peut donner un détail et il peut causer à l'église. À l'église. À tout le monde de l'église. Et l'homme qui a pris, il peut dire, lisez pas qu'à dire la même ou pas besoin de toi, j'aurais pas qu'à dire les pieds ou pas besoin de toi. Nous tous nous besoin de nos camarades. Il peut causer à l'église, tout le monde de l'église. Même si on fait connaître le Seigneur hier, même si on fait connaître le Seigneur avant-hier, même si on a des enfants au niveau oulaz, même si on a un âgé au niveau oulaz, ben, donc spirituel est important et est pour vous. Allez, right? Nous brigons chapitre 12, verset N. Mon ben frère, mon ben sœur, mon ben les autres ignorants de ben don spirituel. Mon ben les autres ignorants de ben don spirituel. Regardez le verset 14. T'allez vous parler plus en détail concernant ben don. Nous servis sa moula, nous gardons sa moula dessus de la tête. Et dans le réseau, fait les trois points, puis c'est le mot don. Nous gardons dans la tête pour y rester. Le verset 4, la Bible dit, il y a beaucoup de dons, mais même l'esprit qui anime sa bandon, qui agit. Moi, je peux écouter Pasteur Kenneth Hagin avant-hier. Pasteur Romy, Pasteur Kenneth Hagin, tu dis une jolie phrase. Pasteur Kenneth Hagin dit, il prêchait dans les années 90. Et là, il dit, dans les années 90, quand il peut dire ça, il dit, ah, moi, peut-être beaucoup de monde peut dire, there's going to be a new wave, a new wave is going to come. Bon, il n'y a pas cause wave coronavirus, hein. Et tu fais cause, oui, concernant le mouvement du Saint-Esprit. Prenez un nouveau mouvement de l'Esprit. Et là, parce que tu dis, don't you realize, no matter what new wave comes, they all come from the same source of water. Donc, dans la mer, chaque coup, une vague vient, c'est un nouveau vague qui vient. Mais tout le nouveau vague qui vient, je dois tout démarrer depuis même souche.
Là, il te dit, au lieu au galop de Yaban Wave, à quoi tu trouves ça même? Je trouve ça bien intéressant. Instead of running after the waves, go to the source. Ok. La source, je vais vous trouver dans le verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 4, la source, c'est le Saint-Esprit. Le verset 6, c'est Dieu qui opère tout en tous. Ah, mon content, ça verset là. Dieu opère tout en tous. N'importe quand vous avez une complication dans votre corps, c'est arrivé au niveau de la santé. Par exemple, quand vous avez un kidney stone, le docteur dit, moi, vous avez opéré. Ça verset là, c'est une révélation pour moi. Dieu opère tout en tous. Mais le maintenir de sa verset là, Dieu pour faire opération dans moi. Tout le monde peut penser, j'ai dit Dieu pour faire opération qui vient dans toi. Vous connaissez le bon Dieu qui a fait opération? Bon Dieu, pas besoin d'anesthésie dans rien. Il fait Adam un joli sommeil. Quand Adam a un joli sommeil, bon Dieu fait opération, tu tiens un côté, un côte, depuis Adam, tu crées la femme. Quand Adam est levé, pas besoin d'être Adam dans l'ICU. Adam pas besoin d'être dans l'ICU pendant beaucoup de jours. Adam pas besoin il y a une douleur, pas tu n'as même aucune cicatrice coupée, mais tu as du fil après. Non! Et qu'est-ce qui te parle dans mon commerce? Dieu opère tout en tous. Dieu est capable d'opérer n'importe qui maladie dans n'importe qui s'en là, et n'importe quand, n'importe qui l'âge. Et dans certaines opérations que la médecine dit, ne pas vous faire un an parce qu'il est trop vieux. Ne pas vous faire un an parce qu'il est trop petit. Nous entendons une femme un peu plus grande pour faire opération là. Mais gloire à Dieu, mon frère, monsieur. Si vos enfants faisaient une opération au niveau sur la tête, au niveau sur les cœurs, au niveau de partie sur les corps, croire dans sa verset là. Dieu opère tout en tous. Dieu est capable, Dieu est un Dieu d'opération. Il opère un miracle, un signe, un prodige d'ailleurs. Le verset 7. Ça va donc, bon Dieu de nous là, ça va un cadeau là. Bon Dieu de nous ça pour l'utilité commune. To help one another, not to destroy, to help. D'aller nous propose dans le miracle, dans la guérison, dans la sagesse, dans le. Plusieurs bandes dons. Tout ça là, bon Dieu, donné pour nous aider nous-mêmes avant et nous aider les uns les autres. D'accord? Après ça, il y a pas donné, non, ça va nous donner. Et la Bible vous dit, par exemple, vous retrouvez verset 9, 10, 11, tout le monde a dit ce bandon de miracle qui bon Dieu finit de nous. Ok, nous arrêtons un moment là-même. Qui nous apprend aujourd'hui, dans ce verset là, Dieu est de nous un cadeau. Nous n'avons pas besoin de payer pour qu'il y ait un cadeau. Nous gagnons, nous faisons recevoir, nous gardons, servir, ou bien cadeau là, ou bien boîte là, servir. Et nous apprenons qui, don spirituel, pas réservé juste pour, et select few in the church. Don spirituel, pas réservé juste pour un tel, une telle, un tel. Non, non, non. Don spirituel est réservé pour nous tous. Nous tous, nous gagnons, participer là-dedans. Pareil comme la vie éternelle. La vie éternelle est un cadeau de Dieu. Pareil comme un bon Dieu de nous, Jésus. C'est un cadeau. Bon Dieu de nous, beaucoup cadeau. Beaucoup cadeau, c'est à nous de découvrir pour tout ça avant le cadeau là, c'est un mon frère, mon cher. Ok. Ma deuxième partie de mon message, tout à l'heure, Pastela, tout à l'heure, moi pour tout le monde, dans la vie de Jésus. Puis après, je lis l'exemple qui est la vie de Jésus. Comment il fait manifester ça va différents dons là, dans la vie, dans ce ministère de la vie. T'as l'air de ça. Mais avant qu'il nous aille le ministère de Jésus, comment il fait opérer ça va don là, moi tu peux comprendre où avec moi, moi j'ai un coup d'Ancien Testament. Parce que la Bible dit clairement, Ancien Testament, it's a shadow of things to come. Ancien Testament, beaucoup de choses ont été révélées qui sont pour venir dans le Nouveau Testament. Avant qu'ils nous demandent le Nouveau Testament, nous faisons une étude là, à partir d'aujourd'hui, nous reprenons quelques versets là, nous permettons de nous regarder des trois versets qui sont bien faux, qui peut-être jamais nous interprètent les dons spirituels. Mais toutefois, il y a une grande importance. Nous commençons par la vie d'Abraham. Allez, right? Genèse 25 et le verset 6. Genèse 25 et le verset 6. Ajoute, tu es capable de souligner sa face que tu dis l'une d'une bandeau sur un garçon. Parce que chacun dit toujours. Il fit des dons au fils de ses concubines. Non, mais quand même. Réjeunesse, c'est il fit des dons au fils de ses concubines. Abraham, père de la foi, Abraham. Il fait un don à ce bon garçon. Ce bon garçon, ça. C'était ce bon garçon, ça. C'était ce bon garçon, ça. Ne pas vous mettre en rentrer dans le détail, dans la profondeur de la théologie, là. Mais tout le monde connaît qu'Israël, c'était le bien-aimé de Dieu. Un juif.
Et nous aussi, d'accord, qu'il habite chez nous, là, l'église est née. Là, nous vivons sous la paix de la grâce, paix de l'église. Abraham et Sarah, je te représente relation Dieu qui est là avec Israël. Abraham et sa concubine, et par son pari, mais nous avons qu'il naît en Dieu, Sarah. Sarah, elle représente Israël, par son pari. Et tout le monde, les enfants qui naissent après, ils représentent nous. Mais une façon de parler, ça, hein. Mais on peut dire, nous partons de l'alliance Abraham, comme venait. Ok, et nous, je n'en rappose aux théologies. Mais rappelez-vous de ça. Abraham, tu fais un don à ce moment-là. Est-ce qu'il y a de quoi ne pas les enfants vont dire? Ça se dit qu'Abraham, tu fais un don, un cadeau, tu fais tout ça sur un garçon-là. C'était un petit aperçu qui prenait un jour dans le Nouveau Testament. Dieu le Père pour donner sur un garçon, sur un enfant et sur un petit fille aussi, un don spirituel pour manifester. Par exemple, Abraham, tu prends ce garçon pour faire sacrifice. Il va représenter Dieu le Père pour donner Jésus-Christ dans la croix. Beaucoup d'affaires similaires. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ça fait mon partage de l'attention ici, car de là l'Ivini, because there is fatherhood and sonship relationship. Car de là il vient parce qu'il y a ça l'amitié, il y a ça l'entente, papa et garçon, papa et enfant là. Il y a ça là. Allez, right. Gémo pour plus éclaircir. Matthieu chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 11. Qu'est-ce qu'il a bien dit dire? Si toi méchant, comment tu étais, tu connais comment donner une bonne affaire de bons enfants, à combien pour raison Dieu le Père pour donner une bonne chose, un cadeau, une bonne chose et un cadeau? On va dire, Matthieu 7, verset 14, Matthieu 7, verset 11, même affaire est dit dans Luc chapitre 11, verset 13. Si toi, méchant, comment tu étais, tu connais comment donner un cadeau de bons enfants, à combien de fois raison Dieu le Père pour donner good gifts? Est-ce qu'en français, c'est déjà good gifts? Bonne chose. Déjà bonne chose. Mais on est plus content en anglais quand il dit good gifts. Sa diversité-là, c'est juste pour montrer nous qu'il est le Père. Il a envie de nous, un don spirituel, et qu'il est manifesté dans la vie. C'est à vous et moi pour mort de cet abandon-là tous les jours dans la vie. N'a pas laissé le diable faire ou quoi? Ah ou pas digne? Trop beaucoup de monde dans sa condamnation, je pas digne là. Bien sûr, pas digne. Jésus tout seul qui est digne. Et là, il fait nous digne. Il ne prend où? Pas digne. Il fait où? Digne. Je dis, moi, tu expliques un joli, ça fait qu'il est intéressant. Il trouve dans Marc chapitre 6, verset 22, 23. C'est un monsieur qui s'appelle Hérode. Hérode, il c'est un frère. Frère là, il s'est marié avec une madame. Et frère là, avec son madame, il a un enfant. Ça veut dire Hérode, le roi Hérode, il a son frère, avec son belle-sœur, avec son nièce. D'accord là? Et là, Hérode, qu'il fait? Il prend madame, son frère, il marié. Hérode, il marié avec madame, son frère. Et là, qu'il a des enfants là? Il adopte des enfants là. Mes enfants là, ça, t'y fille là, il est parti. T'y fille direct. De Hérode. Et l'impact que tu fais là danser, il dit, c'est demandement ce qui te lève de toi la marche de mon royaume. Tu fais là, tu es obligé de débouter. Pour les gars, ça, il s'est déjà demandé. Tu as une condition. Il n'est pas bien tout, hein. Quand il vient, il s'est marché. Et là, bon Dieu, c'est mon domaine d'affaires. Mais ces enfants-là, tu es né. Ces enfants-là, tu es né de Pharaon. Ah, sorry, d'Hérode. Ces enfants-là, tu es né de sa famille, du roi-là. Est-ce qu'il tu veux gagner la marche ou bien tu veux gagner tout complet? Et là, bon Dieu, mon domaine, puisque nous, le né de Dieu, nous nés dans la famille de Dieu. Bon Dieu, parle-nous la matière Saint-Esprit. Vous pouvez dans la matière Saint-Esprit, vous pouvez dans Saint-Esprit junior. Il n'y a pas comment dire une personne dans le Saint-Esprit, full. Toi, tu es dans le Saint-Esprit junior, un corps, des corps. Nous sommes même Saint-Esprit. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes fille du royaume. À nous profite tout ce qui est là dans le royaume de Dieu. Je dis amen, amen. Bon Dieu, parle-nous la matière guérison. Bon Dieu, pas de réserve la matière succès. Bon Dieu, pas de réserve la matière dans le sujet pour te passer du mal. Bon Dieu, pas de réserve la matière de la case, vous avez réserve la matière après attendre, comme on le dit en créole, pour vous terminer. Bon Dieu, pas de réserve une grande église pour y remplir la matière. Non, mon frère, mon Seigneur. Non, tout, complet. De tout, j'ai gloire à Dieu. Et vous partez sur l'attention d'un verset qui est intéressant dans l'Ancien Testament de 2 Chroniques. 2 Chroniques 21 et le verset 3. 2 Chroniques 21 et le verset 3. La bassine, elle nous a fait formidable. Nous deux, comme Josaphat, papa Josaphat. Josaphat, papa Josaphat, c'est-à-dire père David Josaphat, pas Josaphat son papa, non, on peut dire lui-même. Josaphat, en tant qu'un papa, il te donne un présent considérable. Il te donne un présent, et nous devons dire, important, considérable, précieux, à tous ses enfants.
Ben, Dieu, quand nous réalisons les rois Josaphat, mais Serge, quand nous réalisons les rois Josaphat, ils font un don à ce bon enfant. Pourquoi une fois? Ça va donc qu'il nous faut pas aller là dans le miracle, dans la guérison, ça va donc qu'il nous faut bien à ce moment-là, c'est un don inconsidérable, mais considérable. Considérable. Ah oui, oui, important dans la vie chrétienne. Great gifts. C'est un joli cadeau qui nous a servi dans, dans la vie quotidienne. Allez, va, nous partir sur l'argent, je vais nous faire quelques raisons. Esther. Esther chapitre 2, verset 18, pas besoin de mettre à jeûne, il faut juste dire merci, pas besoin de vous mettre. La Bible dit les rois, tu fais une fête en honneur de Esther. Les rois, ils font une fête en honneur de Esther. Esther 2, verset 18. Les rois font une fête en l'honneur d'Esther, et là, ils donnent tout à quelqu'un qui est là-bas, un cadeau. Ou un dimon, avec moi, un dimon, qui bon Dieu estime nous beaucoup. Donne-nous l'honneur pour une jolie fête dans les chers jours. Pareil comme les rois là, dans l'honneur d'Esther, à cause d'Esther, elle va aller à l'importance d'une fête fête. Parce que Esther. Par exemple, quand Pasteur est venu, hé, Pasteur est venu là, nettoie la case, achetez nouveau la table, achetez nouveau tapis, achetez telles affaires, parce que Pasteur est venu nous faire un bon manger pour Pasteur. Ou faire sa manger là dans la case en l'honneur de vos pasteurs. Bon Dieu, honore-nous. Comptons-nous dans où nous lire, les peuples prennent une jolie fête dans l'échelle. Un jour, quand on est là-bas, ils vont en où nous lire, que bon Dieu, pour faire sa grande souper, sa grande fête là. Je te dis gloire à Dieu. Yeah. Maintenant, ça fait mon partage de l'attention qui est intéressant. Zou qui t'y met couronne dans la tête Esther. Je vais aller, je vais trouver. Ça zou, Jema, qui t'y met couronne dans la tête Esther. Ça zou qui Esther t'y crown. Ça zou là, ben les autres t'y gagnent cadeau. Ben invité, qui t'y venait, t'y gagnent cadeau. Attends. Ça zou qui Jésus-Christ finit couronné, roi des rois. Ça veut dire que Jésus-Christ finit de couronner les vaincre, l'amour finit de couronner la résurrection et la vie. Ça veut dire qu'il est glorifié. Après trois jours, quand il est ressuscité là, à partir de ce jour-là, mon don spirituel est réservé pour tous les corps de Jésus-Christ. À cause de ça, don spirituel, il n'y a pas des affaires basées au l'honneur, au digne, au pas digne. Tout centralisé, pivote autour de Jésus-Christ. Jésus-Christ finit de glorifier et donne-nous un don. Ok, il y a beaucoup de dans ça. Mais mon partage de l'attention d'une phrase, on va prendre un juste cas par médecin là. La Bible dit dans Esther chapitre 2, verset 18, il dit, les rois fit des présents avec une libéralité royale. Vous prenez ce cas par médecin, je viens, en français, il dit ça. Il dit, les rois fit d'un bon cadeau avec une libéralité royale. En français, ouais, on l'a dit, mais il n'est pas autant clair comme on l'a dit en anglais. En anglais, plutôt comme on y a dit, qu'est-ce qu'il dit? The king made gifts according to the hands of the king. Ou bien, dans la version, il dit, the king gave gifts worthy of the king. C'est un don spirituel qui nous pouvait être un petit moment. Là, je vais vous mettre foundation, nous pouvons être un petit moment, le don spirituel. Là. C'est un don spirituel qui bon Dieu donne nous là. Il va baser le nous, non, il va baser le la main qui peut donner, la main c'est la main, les rois qui donnent. C'est les rois là qui peuvent donner ça, le don là. C'est les rois là, est-ce que la Bible va dire toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu? Quand c'est les rois là qui peuvent faire ça, le don là. Mais tu peux donner d'une façon royale, d'une façon comme là, et les rois donnent ça, le don. Alors, frères et sœurs, papa dans les cieux, quand nous ça, le don spirituel là, il donne comme une façon royale. Ok, n'écoute ça de sur la tête, parce que tu allais pour revenir là pour cause de différents dons spirituels. Venez la Bible, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 19 et le verset 6. Proverbe 19 et le verset 6. Un joli verset qui nous cause le friendship, qui nous a cause le friendship là, nous a cause l'amitié. Mais peut-être jamais on pense pour. Jamais peut-être on met, nous médite le ce verset là concernant dons spirituels. Concernant dons spirituels. Dans le miracle, dans la guérison, dans le langue, l'interprétation des langues, dans de foi. Hein, vous pouvez sentir un petit moment. Mais il y a un coup, Pasteur Vachat, Proverbe 19, le verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait les présents. Mais qu'est-ce que c'est là qu'il dit?
Me vine un camarade avec celui qui fait des présents. Moi, je vais expliquer en créole. Pour faire aussi, où on vit un don spirituel manifesté plus d'avantages dans la vie, un des bannes là, c'est développer une amitié avec le Père. Friendship with the Lord. Friendship with the Lord. Développe l'amitié, développe la communion. Ou bien, non, par contre, parce que tu peux ça, les trois jours, les trois semaines, la dernière fois. Nous, nous avons une propre communion avec mon Dieu, nous ne pouvons pas dépendre de nos pasteurs sur la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas dépendre de l'autre sur la vie spirituelle. Ou bien, ou relation. Mais la chose veut dire, ou communion, ou l'amitié, ou développe, ou contact, ou la vie des prières basées. C'est où, Seigneur, ça? Les bons mots pour moi, nous, la parole est engourdissante, quand il peut couler le moins engourdissant, mon gars, mon dedans engourdissant. Là, viens un petit peu. Non. Quand c'était sur Disson, coule le mot pour la voix. Même quand c'était Disson, il coule le temps pour la voix. Regardez, Pasteur Vachat, Proverbe 19 et le verset 16. Verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Être un ami de celui qui fait le présent. Vin, un camarade avec le Seigneur qui donne sa bonne nom. Ok. Love must be for the giver more than the gifts. Love must be for the giver more than the gifts. Oui, nous pouvons trouver beaucoup de dons, de miracles que Jésus pour faire un don, de miracles qui arrivent dans la vie. Nous pouvons trouver un petit moment, mais réalisons nos affaires. Hein? Gloire à Dieu pour les dons qui vous manifestent dans la vie. Mais en tout temps, pour l'amour, il ne faut pas les plus pour ce don-là que Jésus. Our love must be for the giver more than the gifts. Donc, on va se dire, c'est cette fondation. Et pourtant, nous comprenons ça va une base élémentaire là, avant de nous rendre au vif du sujet. Maintenant, nous avons fait qu'il m'a partagé de l'attention extra joli encore, Daniel chapitre 2, verset 6. Et là, on a une parole prophétique pour beaucoup d'entre vous. Demande tout l'attention, s'il vous plaît. Daniel chapitre 2, verset 6. Vas-y. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents. Non, oui, non, non. Si te diamant, si te diamant te rêve, Pasteur Romy, si te diamant te rêve, moi vous donnez pas un don spirituel. Réalisez en français. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents. N'arrive pas même. Où est-ce qu'ils vont dire diamant Dieu? Qui rêve ou non concernant le ministère? Qui rêve ou non? Qui ou vision? Qui rêve? What is your dream? Qui rêve ou non? Concernant la vie spirituelle, concernant où? Dans l'école des enfants. Qui rêve ou non? Qui vision ou non pour l'école des enfants? Dieu bon Dieu ou vision dans l'école des enfants? Il peut donner un don spirituel pour manifester encore. Pour s'arriver à vivre une réalité. Parce que Oral Robert, il a un rêve pour rendre une université. Parce que Oral Robert, il a un rêve pour rendre une université chrétienne. Il fait bon Dieu qu'on rêve là. Bon Dieu donne le don de la foi, le don de miracle, et il donne tout le monde les autres dons infinis pour accomplir sa rêve là. Zodine, non, c'est qu'il n'y a pas. Parce que si tu as un rêve pour un bâtiment, pendant 12 ans, il attend pour la foi, ce bâtiment qui n'y a pas, Zodine, head office de LVD là. Ça, c'était rêve là. Il fait bon Dieu qu'on rêve là. Après qu'il est arrivé, ben, don vini après, ben, don spirituel, il vini après, don le miracle, don de foi, il s'est sur la foi, pour les gars, c'est qu'il est. Parce que c'est vrai, il y a un rêve pour me voir davantage encore dans le don spirituel. Ma miracle, ma signe, ma prodige, ma réunion du Saint-Esprit. Ça, c'est rêve-là. Le bon Dieu qui peut faire. Bon Dieu pour donner don de discernement, don de guérison, don de sagesse, don d'intelligence. Ben, don-là pour suivre après. Fais bon Dieu qu'on te rêve. Parce que mon rêve, parce qu'il ne peut pas, ne peut planifier des affaires, mon rêve, mon vision, mon projet, pasteur, ne peut envie à l'hôpital pour prier pour ben du monde. Ça, c'est rêve-là. Ne pas à l'hôpital, ne pas prier pour ben du monde. This is a dream. Bon Dieu, pour donne-toi le don de miracle, don de discernement, tout le monde qui vient pour accompagner, pour aller à toi, pour qu'il sa vision-là, ça arrive à venir en réalité. Est-ce que la Bible dit « Young men will dream dreams » Sorry, « All men will dream dreams » avec « Young men will have visions » Non. Enfin, mon Seigneur, prends sa parole à vous. Bien sûr, ben, les gens qui me donnaient, c'est juste spirituel. Non, il n'y a pas un personnel à m'insolirer pour la case. Non, il n'y a pas un personnel à m'insolirer pour les enfants. Non, il n'y a pas un personnel à m'insolirer pour voyager. Non, il n'y a pas un personnel à m'insolirer pour une rénovation. Peu importe qui rêve. What is your dream? Moi, Pasteur Vachin, nos rêves, c'était nos rêves, nos désirs, nos rêves, c'était marier l'homme ou la place. C'était ça, nos rêves. Que bon Dieu fait là? Et de nous discernement, dont le discernement, pour connaître qui le thème, puis elle choisirait.
don de sagesse pour négocier d'après par qui ça. Don de miracle, nous n'attendons pas de miracle venir financièrement. C'est un gros cycle, gros l'appli, gros divan, ça joue un là. Puisque nous tenons ré, nous faisons bon Dieu qu'on nous ré pour moi il envoie la place. Don de miracle qui est manifesté, don de miracle qui est manifesté, divan calmé, si ça passe que nous faisons là, avec un infini, moi il envoie la place, divan recommence souffler. C'est un l'exemple, mon Dieu, pour moi, quand je mets devant mon Dieu, je traîne, tout le les dons spirituels, tout le les dons spirituels avec annié, et vous suivez la vie, pour donner la vie. Vous avez compris la pensée? Moi, j'ai un rêve pour nous, tout le technologie, tout le infrastructure, pour nous, sa vision. Ça, c'était mon vision, ça, c'était mon rêve, puis mon Dieu, bon Dieu. Et bon Dieu, bienvenue, bien sûr, qui vous avez donné discernement, comment vous servez ça? Connaissance, ton déconnaissance, ça, c'est de l'un, gifts of knowledge. Connaissance, comment vous faites ça faire fonctionner? Fais bon Dieu pour nous rêver. Est-ce qu'il voulait un rêve? Écris au rêve qui parle. Amen. Ok. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et pour terminer dans mon introduction, on va déjà terminer mon message. Donc j'ai terminé mon introduction. Au base, Romains. À nous guider Romains. Romains 11 et le verset 29. Romains 11 et le verset 29. Vas-y, pasteur Bachat. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Bon Dieu, il n'est pas répandu de ce don, de ce bon appel. Le mot répandu ici veut dire répand. Cancel ou bien répand. Je veux dire, bon Dieu, il n'est pas cancel ce bon don qu'il donne nous. Quand bon Dieu donne nous le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de connaissance, ce bon don qu'il bon Dieu donne toi, bon Dieu, pas pour cancel, il donne toi, un fois pour tout, il donne toi, il prend lui. He will never withdraw them once given. Ok. À nous faire un petit résumé, on va un petit coup, on fait un petit résumé. Nous apprenons qu'il, dans 1 Corinthiens 12, verset N, bon Dieu n'a pas envie qu'il nous ignorant. Bon Dieu n'a pas envie qu'il ne reste pas connu concernant le don spirituel. Nous apprenons qu'il, le don spirituel, pas réservé juste pour détruire le monde dans l'église. Mais tout, chaque monde, tout le monde dans l'église, enfants, petits, grands, le moment au corps de Jésus, c'est un don spirituel-là pour capable de mouvoir là-dedans. Et nous apprenons dans ce testament comment le père Abraham qui donne son cadeau, papa Josaphat qui donne son cadeau, ça lui montre le don vient du père. Le Nouveau Testament confirme même ça faire par le don spirituel qui est le père de nous, le don du Saint-Esprit qui est le père de nous par exemple. Après nous trouvons comment le moment couronne qui monte dans la tête d'Esther, le cadeau qui est donné. Le moment Jésus-Christ qui est couronné, nous gagnons. Nous avons un don qui manifeste dans nous la vie. Et nous trouvons aussi, pour terminer, nous avons développé une relation avec le Père. Développer une bonne relation. Lire la Bible. Le Père pour causer avec vous. Prier pour causer avec le Père. Aller au bon Dieu pour exprimer l'amour bien dit. C'est un capable de développer une relation avec bon Dieu. Après, nous trouvons Daniel chapitre 2, verset 6. Qui rêvent. Faire bon Dieu qu'on rêve. Faire bon Dieu qu'on rêve. Ok. Deuxième partie de mon message. Il y en a plusieurs dons qui Jésus-Christ fin mort ça là. Aujourd'hui, vous connaissez dans une NNNN l'exemple de tout ça don là. Dans la même semaine qui vient après, don par don, don de guérison par exemple, vous pouvez beaucoup moins d'exemples comment Jésus nous fait don de guérison, don de sagesse, don d'intelligence, don d'administrer, vous pouvez tout ça. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner l'église de l'appétit, montrer comment Jésus-Christ opère ça va don là. Et autant qu'il est capable, vous pouvez toujours de mon avis, dépendant comment les temps perdent. Et moi, ouais. La Bible parle du don du discernement. La Bible, c'est ça, je vous le Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset. Merci Seigneur. Verset 8 à verset 11. Verset 8 à verset 11. Je vous trouvais dans le don du discernement. Si mon papier préfère, c'est le verset 10 qui dit à nous dans le don du discernement. Je te dis le don du discernement. Je te dis le don du discernement. Je te dis le don du discernement. Il y a pourtant ça, nous avons besoin d'un discernement. Nous avons besoin d'un discernement. Bon Dieu ne nous aîné. Pense un peu si vous partez à l'aîné. Si vous partez à l'aîné. Moi, tu peux plus en manger là. Si vous partez à l'aîné, discernement. Sorry, chapitre 12 et le verset 10. Ouais, excuse-moi. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 10, il dit là-bas, don de discernement. Don de discernement. Ok. Discernement est important. Un chrétien tombe dans beaucoup d'erreur parce qu'il n'est pas discerné, ça vient de Satan, ça. Un chrétien écoute une mauvaise la voix, fait une mauvaise quitteuse, l'estime, il a un mauvais comportement, influencé, parce qu'il n'est pas discerné, ça va venir de Dieu. Discerné veut dire, ton récit connu, ça bon Dieu donné, ça bon Dieu pas donné. Ça discerne, façon créole.
pour expliquer. Ça, oui, Dieu qui donne mon visage. Non, 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 ça pour Dieu pas donné qui vous. Ça me porte la vie pas Dieu qui vous a fait ça. Ça dit c'est né. Marc chapitre 1. Pour l'instant, on prend juste le livre de Marc. Bien sûr, pas pour tout le des autres évangiles ou vous faire même l'exercice. On prend l'évangile de Marc, on commence à lire, moi je viens même, au fur et à mesure que je trouve un, par exemple, comme on lit un chapitre, un passage, comme de Jésus guérit. On a regardé là-bas, dans le miracle qui manifestait. On a mis en bas section dans le miracle. Ah, oh, les détecté comme un démon là, tu peux aujourd'hui, ensemble, discernement ça. On fait ça l'exercice là. Ok, Marc chapitre 1, verset 10. Vas-y. Au commencement où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descend sur lui comme une colombe. Jésus-Christ, là, on trouve manifester le don de discernement. Vous savez comment le don de discernement manifesté dans la vie de Jésus, on dit la vie, parce qu'il n'est pas encore le ministère là, la vie de Jésus. Pour les jeunes, les enfants, il est important de comprendre. Bon Dieu, pas maintenu comme ça, reste tout seul, à être né de nouveau, à être débrouillé de affaires. Non. Bon Dieu, mais d'entendre le discernement. Le discernement. D'accord? Des affaires autour de Jésus discerné. Premièrement, Jésus discerné, c'est un colombe. Il n'est pas un discerné, c'est un catover, un perroquet, un corbeau. Non. L'indicéen, c'était quoi? Un colombe. D'ailleurs, après, vous trouvez Jésus, tu as le désert, c'est un man wild beast, c'est un man bébé de sauvage, c'est un man animaux. Ça, c'est besoin d'un discernement pour connaître c'est quoi une colombe et c'est quoi bébé de sauvage. Vous avez compris la pensée? Jésus n'exerce le discernement. D'accord. Est-ce que nous, dans la vie quotidienne, le pérécie exerce, est-ce que nous avons le discernement pour comprendre qui est le Saint-Esprit dans la vie? Un pasteur qui appelle, Pasteur Johnson? Bill Johnson. Le pasteur Bill Johnson, Dieu fait donner une jolie révélation concernant le Saint-Esprit. Une jolie révélation concernant le Saint-Esprit. Attends, non, pas mon mouchoir. Donne un exemple comme ça. Il dit que le Saint-Esprit vient pour nous aujourd'hui comme une colombe. D'accord là? Et si vous voulez, colombe, il y a un oiseau comme un petit, il est capable d'effrayer, bouger, aller, ainsi de suite. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient bien tout dans les affaires. Non, pas ça qu'il peut vous dire. Il peut simplement montrer nous qui, puisque tu as le Saint-Esprit dans toi, tu faisais bien la façon de payer aussi. Tu n'es pas capable de se prendre à te lire, tu n'es pas capable de danser, samedi tantôt, là, tu te dis, quand tu viens de l'église, tu n'as pas fait ce qui te lit. Tu as le Saint-Esprit dans toi. Alors, jeune, grand, vieux, âgé, moins jeune, tout petit. Mais vous êtes content qu'il y a le Saint-Esprit dans nous? Mais bien que parole nous peut dire. N'attristez pas le Saint-Esprit, est-ce qu'il est pas, c'est dans les versets de la Bible, ça? Mais vous avez un discernement pour tout ça là. Allez, allez, je vous donne un exemple. Un jour, quand vous avez le délit, vous avez visité la carte, vous avez la grâce, vous avez visité la maison un ambassadeur anglais, et British ambassadeur. Moi, tu rentres sur la case. D'ailleurs, quand tu rentres, même là, check tout le tout, mes caméras, va tout le tout, check tout, ta chaîne, boum. Superbe. Sécurité tellement énorme. Good gate. Et dans premises là, qui va pas mettre la clé de la porte. Parce que comment le vient, il me dit, il te va mettre la clé de la porte. Je dis, mais non, madame qui travaille pour mes travails là. Il me dit, mais tu vas mettre la clé, tu vas donner la clé. Je sais non, ça pense que la sécurité qui est là, c'est là, pas nécessairement de la clé dans la peau. Et là, quand on rentre au lit, il peut montrer moi ce cigare. Je dis, hey, t'as montré un cigare, ce cigare-là se tient dans les terres. Et il dit, et ça, la viande bête là. Même moi, la viande bête se tient dans les terres. Même si la viande bête se tient dans les terres. Et il dit, ça, tu es là. Ah, t'as un mauvais intérêt de boire. Je dis, non, non, on va boire. Tu vas boire. Ah, t'as te fumé, vous l'avez posé, non. Il dit, ah, moi, t'as se tient dans les terres, ça. Je dis, non, merci. Merci beaucoup. Quand tu dis CNE, même si ça fait la sortie en été, on a fait dans l'été, par contre, on ne pas mal dire, on ne peut pas dire dans l'été, on ne peut pas dire, peu importe que ça fait la sortie. Mais moi, je peux dire CNE, les familles de Dieu, on ne peut pas comprendre. Et pareil, quand on est femme, tu voyages pour business class dans l'avion, Emirates, comme on peut voyager pour business class, comme on le rentrait même, on a pu commencer à servir champagne, on a pu commencer à servir la boisson, ainsi de suite, on a fait encore manger tout ça là. Moi, je mange, manger. Mais on va pas boire, boire. Moi, je prends jus, moi, je prends des loups, moi, je prends coca. Qui fait mon discerné? Mon discerné, il m'a mis de Dieu, ça. Le don de discernement, un chrétien bizarre, non, ça. Don de discernement, pas réservé juste pour pasteur discerné dans l'église qui va arriver. Chaque moment dans la vie, on discerné. Ça qui est quand même cause comme ça, on discerné. Ah, le diable, tu as envie de servir ça qui est quand même pour déranger mon équerre. Non, on va plus faire déranger mon équerre, moi, Satan.
Mal passé qui tu es non, puis remonte de tous les guerres. Quand il compose, puis remonte de tous les guerres, de tous les guerres, de passé. Quand ça fait que tu vis dans le passé mauvais, qui peut dire en soi, c'est là, puis revenir. Tu peux être discerné, ça va sentir la famille de Dieu, ça. Ça va sentir la famille de Dieu, ça. Tu as un petit bouton zénès, sorry, tu as un petit bouton zénès de ton néné, un petit bouton zénès de ton néné. Ah, il y a comme un bouton, il y a des figures. Tu peux être discerné, tu as déjà peur de dire en soi, ton identité dans Jésus. Aide-moi la paix, dis pas qu'au pays, toi, tu n'es pas un rétorne, aide-moi la paix. Tu vas dire, zamé, les poupées, moi, c'est vraiment le bon repos. Tu as besoin de le discernement. Bon Dieu, voilà la source, c'est pas ça, voilà la source, gloire à Dieu. Le temps de discernement, il y a pas autant. Jésus-Christ, il discernait sa colombe-là, le cause aux colombes-là. Déjà, la Bible dit à Jésus-Christ, il discernait, c'est le Saint-Esprit. Jésus, il discernait que c'est le Saint-Esprit. Mais bon Dieu, qu'il fait, hein. Parce que dans verset 12, quand Jésus-Christ parle dans le désert, il n'a pas l'habitude de moi, Satan, t'y tente. Mais vous êtes capable de discerner? C'est pas Saint-Esprit qui veut dire moi, c'est mon écho. Est-ce que Saint-Esprit veut jeter dans ton écho, il veut jeter la case? Est-ce que Saint-Esprit qui veut jeter à brille toi? Est-ce que Saint-Esprit qui veut jeter à mettre à pendie coupe toi? Ça qui Saint-Esprit vous dit, jamais de la vie. À cause de ça, je vous disais, ben, parents, priez pour vos enfants dans le discernement. Priez pour le membre de l'église dans le discernement. Membre de l'église, il n'y a pas mis l'église dimanche parce que frère, qu'il faut pas tu viennes l'église? Parce que t'es famille, tu viennes. Tu te souviens dans le discernement? Mon église, bien pour toi qui est ma famille. Je connais que nous, quand famille, tu es venu, nous, on doit qu'il nous fait faire. Famille, de nous venir samedi, gloire à Dieu, de nous pouvons manger, de nous toi, de nous passer un bon moment, de nous jouer, de nous badiner, de nous bien bonne famille. Demain, de nous rester tout bien bon. Tout bien, l'homme, il reste pour moi. Mais tu connais, c'est moi, là, disais, on a besoin d'église. Voilà, la cousine, là, on finit préparer tout, dîner, tout, ça fait, là, vous eux. Un petit moment, on vient, on va faire la prière. On va faire la prière, on vient, là. Nous, pareil, tu te rappelles? Mamie, pareil! Alors, le flac, alors, si t'es sur la prière, donne sur l'offrande, prends sur la Sainte-Seine, retourne la case, après, nous réconcilier sa famille. Le pain de famille, allez. Le pain de famille, allez, moi, vous avez rien aussi là. Nous quittons, allez, te donne béni, non, gloire à Dieu. Mais nous avons discernement, là, vous êtes chez un beau royaume de Dieu. Jésus, tu discernais, quand la voilà, puis dit, fais sa vigne du pain tout manger. Jésus, tu disais discernais, qui la voit, puis dit, moi, fais ça. Dans le travail, qui la voit peut dire au coquin? Dans le travail, qui la voit peut dire au tricher? Dans la voix, qui. Ou bizarre, discerner, dans le travail, dans l'école, dans le collège, à quoi tu es dit? Discerner, mon frère, mon sœur. Si beaucoup parmi nous, tu exerces le don de discernement, tu laisses le don de discernement opérer dans la vie, ne pas tu prends dans beaucoup de catastrophes, dans quelque chose qui n'a pas bon dans la vie. Si finalement, quand tu as un garçon qui n'est pas converti là, par contre, le Seigneur là, dans la vie, mais ça pas rond. Quand un garçon-là n'a pas autant certifié là, après une blessure, une joueur sur lesquels, sur une motion, là, il peut encore saigner dans sur lesquels. Tu te disais, le discernement, il va lui donner un cadeau empoisonné. Il va répondre à ça qui est là, dire, pasteur, maintenant, j'ai envie de mettre mort, moi, j'ai une cause à mort, maintenant, j'ai envie de mettre mort dans une place que j'ai adoré à l'idole. Moi, j'ai dit, moi, pas dit, moi. Même si je fais un travail, je ne vais pas aller poser mort dans ma place que j'ai prié à l'idole. Bon Dieu capable de moi meilleur travail, bon Dieu capable de moi plus qu'il ça fait. Non, si ma famille faisait manger du cassé, on ne peut pas aller à ce travail là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit le discernement, sa qualité casse à mon palais. Un jour, tu fais travailler dans une compagnie, un an avant, un garçon qui mort, après un an, ben là, une grosse photo. Moi, j'ai filmé une grosse photo, ça dit mon mot là, dans ce mot là, il met ça. Tu invites un Maraz, tu invites un Maulana, tu invites un mon père, tu invites. Un autre qui vient encore oublié, tu invites à quatre hommes religieux là, dans mon compagnie, chacun qui fait sur la prière, après le lundi, tout le monde fait le recueillement. On va trop comprendre français, moi. Nous faisons le recueillement. Fais-tu du monde une débouter là? Un recueillement, après vous prenez le flair pour aller dans le travail professionnel, dans le travail, compagnie à l'IT. Vous prenez le flair pour aller poser là-bas, chacun surtout pour aller vous guetter, pour quitter ça. Moi, tu es dans le discernement. Moi, je dis, pourquoi on fait ça, moi? Moi, je sortis, moi, excusez-moi, mon bien, je suis sorti, moi, je sortis, déjà, pas ça, mon aller. Comment faire ça, faire là, vous êtes? Mais vous êtes dans le discernement. Mais vous êtes dans le discernement. Comme beaucoup, le sujet discernement en entier, vous avez besoin de beaucoup de détails, d'exemples. Mais rappelez-vous, vous êtes dans le discernement. Jésus-Christ rentre dans l'église, un esprit mauvais dans l'église, dans le temple, un esprit mauvais dans un dimon, dire, you are the most, you are the holy one of God. L'esprit impur dans un démon causé et dit à Jésus, You are the Holy One of God. Par exemple, il parlait de Zoli dans les oreilles. Mais Jésus, il disait le discernement. Et là,
ça te dit qui peut causer là. Et Jésus, ça t'a dit, et puis il a dit, ça te dit, dans la synagogue là. À cause de ça, il faisait un discernement. Pas jolie, jolie phrase, pas nécessairement juste vigne de Dieu. Vous avez le discernement. Donc, tu dis amen, amen. Alors, une jeune fille, une jeune garçon, qui passe beaucoup de temps dans un chatbot, dans un chat forum. Vous avez discerné. Quand un message peut venir. Il peut venir en pardonné. Ou bien il peut venir de Dieu. Amen. Ça, c'est le don de discernement. Ok, deuxième. Nous avons le don d'interprétation des langues. D'interprète ce qui peut dire là. Par exemple, Marc chapitre 1, verset 11. Et dans un don, je trouve là. Et dans un don, par exemple, je trouvais quand Jésus peut opérer dans le miracle, en même temps, don de la foi pour opérer. Comment il finit faire le miracle, pasteur Vincent, pasteur Rati, comment Jésus finit faire le miracle pour faire sa don de miracle là, les servidons de la foi pour opérer le miracle là, et comment finit ses dons de sagesse, et j'ai dit, pas à là-bas, à là-bas, don de sagesse. Parfois, je vous trouvais tout ça dans le don là manifesté ensemble. Le pas qu'à dire, là, mon service à don là, là, mon service à don là. Et pas en isolement. Non, tout contribuer ensemble pour faire ce qui est bizarre. Il clair? On nous continue. Don de langue, d'interprétation, sorry, interpretation of tongues. Oui, souvent nous dire, dis-moi, on finit par la langue, après il interprète ce qu'il nous dit. Mais pas si ça, il paraît que là-bas, ça. M'aurait dit, souvent nous grandit des années dans l'église, et dis-moi, on finit par la langue, et là, on entend pour une interprétation de sa par la langue-là. Ça, c'est juste un petit, c'est ce qu'on appelle interprétation des langues. Interprétation des langues veut dire, moi interpréter, moi détecter, moi comprendre, ça fait là qu'il peut dire là. Je vais vous donner un exemple. Marc chapitre 1, verset 11. Marc chapitre 1, verset 11. C'est la voix qui causait dans les cieux. La voix qui te dit, Hans, quand Jésus te prend baptême, la voix qui te dit dans les cieux. Ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus l'interprète ça. Interprétation des langues, un langage est causé, un voix est causé là. Attends, moi interprète ça là. Moi interprète ça un petit coup là. Ah, mais ça vient de Dieu ça. Ça, on dit contre moi, on interprète ça. Waouh! On dit contre moi, Dieu. Premièrement, on dit CNN, que ça vient de Dieu. On dit CNN, ça vient de Dieu. Après, on interprète. Et ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Waouh! Don d'interprétation. Je vais vous donner un exemple concernant l'interprétation de la vie de Jésus. Dans Marc chapitre 1, verset 24 et verset 25. Marc chapitre 1, verset 24 25. Il paraît comme tu dis, t'allais là. Ça qui est dans l'esprit impur là, dans l'église, il rentre dans l'église, il dit, you are the Holy One of God. You are the Holy One of God. Il paraît spirituel, ça parle ça. Il paraît spirituel, ça parle ça. Mais est-ce qu'il quand on interprète sa langage, hein, quand on interprète lui, hey! Il est bon, sa phrase? Non, il n'est pas bon, sa phrase. La gloire, on a besoin d'un bon Dieu, on ne peut pas venir pour prendre la gloire, non. À cause de ça, vous réalisez, chaque fois, un disciple finit fait un miracle. Beaucoup de fois, quand un disciple finit fait un miracle, un disciple vient dire, you are a God, un bon Dieu qui n'apparaît au milieu de nous. Pierre tout de suite, vous dire, Pierre tout de suite interprète sa langage. Oh! Qui a été langage, ça? Moi, pas un bon Dieu, moi. Non. Un disciple parle comme un tout, moi. Je connais Pierre pour dire ça, il y a un coup d'un bébé. Paul aussi, pareil. Paul, tient un serpent, pique sur la main, il s'accouille le serpent, là, j'y fais. Voilà, j'ai les poumons là. Il y a 12 ans, 24 ans, Paul Pango. Voilà, mes yeux de toi, c'est lui dire, ah, oh, bon Dieu, bien. Le fils de Dieu, bien. Bon Dieu, bien, la paix, lui, pas mieux. Donc, j'ai un homme. Moi, pareil comme un autre, un homme. Moi aussi, mon homme, pareil comme un autre. On appelle ça don d'interprétation. Interprète bien. Quand tout le monde peut causer. Est-ce que ça vient de Dieu? Non, ça pas vient de Dieu. Ok. Si on écrit interprétation importante, je vais vous donner un exemple. Quand moi, je suis en Sud-Afrique, moi, je suis un chrétien, je suis dans une réunion ou quoi, un kiken, un frère, tu pourras appeler ce que je vais dire là. Un frère, il y a une petite fille, il a dit, le Seigneur, mais toi, tu as besoin d'un garçon qui s'appelle John, you're going to marry, there's someone, je vais te come in your life, his name is John, you're going to marry John, just wait for John. Pour un 5 ans là, tu fais là que quoi quand John vient. Tu trouves? Mais c'est qu'on a interprété, vous eux. Qui peut causer là? Parfois arriver un quelqu'un mal inspiré, parfois il y a des affaires contraires sous forme de prophétie. Mais le contraire, c'est ce que la Bible dit. Au besoin d'un discernement, interprète ce qu'il peut dire. Ok, quand on cause donc interprétation, on va appeler cela. Alors le premier, c'est des dons de discernement. Si vous pouvez écrire, vous pouvez pas écrire, dit first, don de discernement. Et moi, je connais qui est non pour nous faire servir. Don de discernement. Tous les jours, je vais prier pour vous-même. Seigneur, je vais prier que vous mangez le don de discernement. Je vais prier que le don d'interprétation puisse mouvoir, agir dans la vie. Et quand vous priez pour le pasteur, vous priez pour le nom de Dieu, vous priez pour ce don-là manifesté. Ah, pasteur, mais pasteur, là, pas de connaître, ça peut venir. Pasteur, là, pas de capable de trouver, ça peut venir. Pasteur, là, pas de connaître. Mais toi, tu n'as pas de connaître, tu veux prier pour pasteur-là.
Si toi tu connais, tu as besoin de positionnement dans la pastela. Peut-être que tu vas trouver ça. Peut-être que tu prends une décision. C'est la raison qui fait que quand tu pries pour ton pasteur, quand tu pries pour ton leader, il est important de connaître toi-même qui va un don spirituel, qui se fait, comment se manifester, pour qu'il soit capable d'éclencher ça dans la vie de ton pasteur. Moi, je commence, depuis que je fais cette étude-là, je commence à prier pour tout mon leader, je commence à déclencher ça dans la vie de tout mon leader. Mon leader cellule, mon leader école des enfants, mon leader réunion jeune, mon leader caméraman, mon IT, tout. Je commence à déclencher ça. Et gloire à Dieu. Allez. Troisième don, c'est Gifts of Faith, don de la foi. Ne tout n'est pas mesure de foi, mais ne nous affecte pas avec don de foi. Ok. Moi, j'ai un exemple. Merci Jésus. Jésus dans le cyclone. Jésus dans le cyclone, il est levé. Il causait le cyclone. Cyclone calme. Jésus-Christ, dans parce que tu es dans le tombeau, un dimanche, tu peux vivre dans le tombeau là. Jésus s'est mis le don de la foi. Dès que ça dit mon là, et tout ça dans l'esprit mauvais là. Don de foi. Jésus prend 5-10 pains des poissons et multiplie-les, beaucoup de monde mangeait. Donc, de foi, c'est manifesté. Alors, il y a beaucoup d'exemples, mais donne-nous aussi ça trois là. Don de la foi. C'est la foi de la bouche en montagne. Don de la foi. Pour élu, pour trouver beaucoup de multiplication dans la vie. Qui ça peut peut-être multiplier? Connaissance, sagesse, point, dans l'examen. L'argent, manzam. Qui peut-être multiplier? Don de la foi pour élu. Le travail, il va être un nouveau customer venu, il va être un sales augmenté, il va être un profit to increase. De n'importe qui département dans la vie, il va être une multiplication. Don de la foi, pour être pour gagner ça. Cadeau de la foi, don de foi. T'as l'air de vous causer aussi comment lui. En fait, allez, laisse-moi dire c'est la même. Chaque fois que Jésus fait une série, le don de la foi, il n'est pas de rester la bouche fermée. Chaque fois, systématiquement, quand Jésus-Christ exerce le don de la foi, il vient sur la bouche, il dit une affaire. Bam! Que te soit fait selon ta foi. Allez, que tu finis guéri. Il n'est pas mort, il est dormi. Continue à y croire. Mais je t'assise pour manger là. Mets-toi debout. Et tente la main. C'est trop ça? Chaque fois que Jésus finit manifester le don de foi, je trouve le don de prophétique aussi manifesté. T'as l'air de me dire. Le don, je pense ensemble. Jésus-Christ. Il peut exercer ce don de la foi, par une parole qu'il peut déclarer, et par là, il peut sous. Donc, sont prophétiques, prophétiquement, il peut déclarer ça. On peut juste mettre base, ne pas appeler son détail avant la semaine à venir. De cause un quatrième don. Sur les camps, de cause don de la foi, on peut penser à un témoignage. On rappelle un jour, mon papy, tient un petit peu boire, sous. Il dormit 10 heures. Après, moi, je peux lire. Il me levait, mon corps, il est un matin, par là, il me levait. Il recommence à faire la guerre, il recommence à mettre sur radio faux. Et lundi matin, il met sur radio faux, et puis il boit de l'eau, il veut pas qu'il veut faire. Et maman, je dis, on l'a sans à côté de la cuisine. Mais pas pour rien dire, il a dormi parce qu'il me fait discuter avant, il a dormi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, quand tu es petit, 15 ans, 16 ans. Qu'est-ce que tu fais? Moi, tu poses, moi, la main au Mirai. Et moi, connais, de l'autre côté Mirai, il écoute radio, de l'autre côté Mirai, là, moi, pose la main Mirai. Moi, j'ai Seigneur, moi, pas qu'à là-bas, poser la main, là, ton choix, il bat moi-même. Moi, pose, moi, la main Mirai. Je crois au nom de Jésus. Je vais poser la main. Je vais commander à dormir, c'est la main. Taille sa radio là. Il peut déranger moi, il peut déranger moi, tout là. Je vais commander à dormir dans le nom de Jésus. Tu vas faire à dormir dans le sommeil. Tu vas faire les dans le sommeil là. Après, moi, je vais étudier la Bible. Ça, moi, je vais faire des voix, moi, je te rappelle. Et après les 3 minutes, il termine ça. Il va aussi. Dans ce lit, il dormit. Don de la foi manifesté, même par les enfants. Ça se fait, ça veut se sanctifier des poissons qui donnaient. Donc, deux fois, manifesté même à travers la vie, mes enfants. Qui n'ont ces fois, tu m'as dit, je viens Hans. Moi, tu n'as fait, moi, de s'arrêter, moi, donner pour la foi, et moi, je viens de se charmer, et moi, je viens de les affaires. Donc, deux fois, les manifester. La foi n'est pas respectée, ou l'as. Amen. Ok. Don d'enseignement, the gift of teaching. Souvent, je retrouve ça, Jésus-Christ, quoi, de lieu en lieu, il pensait à la parole de Dieu. Marc chapitre 1, verset 21, Jésus t'enseignait dans la synagogue. Il a mis la synagogue, il a lancé devant le village. Il a poussé des vélos devant le village, mettez des hauts. Par exemple, il a dit à Génézareth, il a dit, allez, il n'y a pas besoin de toi ici. Jésus a devant le montagne, il a enseigné. Jésus a devant la rivière, il a enseigné. Mais Jésus enseignait la parole de Dieu. Pasteur, vous prenez aucun peuple devant moi qui me peut enseigner, vous ne pouvez pas lire, comment vous pouvez enseigner? Tu ne peux pas enseigner les enfants là, comment viennent les bons enfants? Nous commençons par ça. Tu ne peux pas enseigner une femme là, comment prier? Tu ne peux pas enseigner un mari là, comment lire la Bible? Si tu ne maries pas pour lire?
Tu n'as pas pensé toi-même? Pensez toi-même. Voilà pourquoi le péché. Pensez moi-même. Amen. Commence comme ça. C'est ce qui est bon Dieu pour faire la peau. Parce que pour confier dans cellule, tu vas gagner la grâce pour commencer à enseigner la cellule dès que les enfants réunissent jeunes. Après ça, beaucoup de gens nous font des dons pour faire différentes activités dans l'église, pour grandes réunions. Rappelle-moi de ça faire. Ça don, enseigner ou bien don pour prêcher là. Dieu qui donne ça. Dieu qui donne ça. Il est en haut. Il y a agi de tout le monde. Il va dire, ah, pourquoi pas prêcher comme un passager? Personne ne va dire prêcher comme un passager. Prêcher comme toi-même. Prêcher comme toi-même, tu vas prêcher. Pas besoin d'imiter personne. Okay. Alors quand je priais pour le pasteur, quand je priais pour un leader, priez. Seigneur, vous priez. Quand mon pasteur prêchait, qu'il y prêche avec accuracy of word, qu'il y prêche avec révélation, qu'il y enseigne la profondeur de tes paroles. Ben, la prière que vous faites, où? Et le pasteur et le leader. Je vous dis ça après. Un autre don qui manifestait, ah, le don de manage. Je vous dis ça, oui, non, le don de gouverner. 1 Corinthiens 12 et le verset 28. 1 Corinthiens 12 et le verset 28. Qui dit là-bas? Le don de gouverner. En anglais, c'est the gift to manage. Je te demande, peuple de Dieu, fait presque 15 ans, vous pouvez faire pasteur. Et monsieur, tout pasteur, vous d'accord avec moi. Quand vous êtes pasteur dans l'église, une partie, proportion là, c'est manifester dons spirituels, prêcher, enseigner. Mais une bonne partie, c'est de manage l'église, administration de l'église. Dis-moi, tout est ça. Je ne veux pas qu'à des membres vous disent prêcher moi. Je ne veux pas connaître comment manager, je ne veux pas connaître comment manager, je ne veux pas connaître comment planifier. Il va me dire ça. Dans un moment, tous les dimanches ensemble. Parce qu'il y a un don, ça, il y a un cadeau, il y a un don de Dieu. Don de gouverner. Mais mon plus content en anglais, il dit administrer, manage, administer, direct, lead. Comment que ça? Étonnant comme Dieu, on arrive encore au 8 chapitre de Marc. Jésus, il peut manifester the gift of leadership, qui est le gift. Mais dans trois phrases, on finit écrire « This is the gift of manager. » Mais nous venons pour ceux qui sont disciples. Les gens ne sont pas disciples pour y abattre. Non. Les disciples fatigués venir. Attends, assisez là tranquille. Mais loin de la foule, repose-toi. Dis-moi ce qu'ils veulent faire. Tout cela, c'est « gift skills of management. » De nos oreilles pour écouter. « Oh, d'accord. Tu ne fais pas tel miracle. Ok, repose-toi un petit peu. » C'est tout ça. Un autre jour, Jésus-Christ, c'est maintenant mon bateau à vivant. C'est une façon qu'on nous manage parfois. Nous donne l'occasion de faire des affaires avant qu'ils nous le fassent. C'est un autre style de manage. Jésus-Christ commence à choisir des kikens. Après un peu de temps, il choisit encore des kikens. Après un peu de temps, il choisit encore des kikens. Après un peu d'année, un an et demi, il choisit un autre groupe encore. Et même qui 12 une 72. C'est une autre façon de manage. Nous pas capables d'une église, la même quantité de leaders commençant de l'église là, 1980, nous la même quantité d'église après. Non! Disons pas parce que mon nez disait pas trop rien, pour pas faire référence, pas mal interprété. Interprété, c'est qui m'a fait dire, parfois on interprète dans un truc, m'a fait dire. Peuple de Dieu, guide Jésus sur vision en tant qu'un leader. There must be new blood in the team at all time. Et comme on dit beaucoup, bonne compagnie, bonne stratégie, bonne compagnie, c'est les mêmes affaires. Mêmes affaires. Amen. Et tu connais que je lis ce raté, qu'un nouveau du milieu de travail, qu'est-ce que je fais? Induction, training. Jésus fait les mêmes affaires. Comment les recrute, comment les recrute les vite, les rendre à la case des vite et enseigner là-bas. Training. J'ai remarqué qu'un nouveau rendez-vous d'une compagnie, ou bien pour parler de l'école, surtout d'une compagnie, nous faire un lunch, nous faire manger ensemble. J'ai remarqué. Nous trouvons dans la vie pasteur Romy, Jésus-Christ, à plusieurs reprises, les faire manger sur un disciple pour consolider le bonding. Un principe dans la Bible. Jésus fait recrute les vite. Mathieu, qu'il fait? Il rentre continue de manger vous autres. Manger ensemble avec un leader, ils font partie de build relationship. Mon aventure, de style management, à comment Jésus administré. Quand nous aujourd'hui management, we need to empower people. Jésus s'appelle 12 ans, viens avec moi, moi empower toi, moi donne toi l'autorité et puissance, allez, allez. Beaucoup d'exemples, non? Allez, allez, tu n'as pas pour jour là. Mais, je peux expliquer ça. Un autre gift qui manifestait, un autre don qui manifestait dans la vie de Jésus, c'est le don de guérison. Le don de guérison. Ah oui, mais il y a bien la fièvre, surtout ça dans Marc chapitre 1, verset 30. Jésus t'a pris par la croix sur la main, la fièvre qui t'y allait. Le don de guérison, il manifestait souvent avec l'imposition des mains. Souvent quand on impose la main, il peut manifester le don de guérison. Impose la main pour prier.
Et là, nous savez les dons de la foi, le cause de parole. La fille, elle va y aller. C'est vous bien. Seigneur, tiens pour tout correct là. Tout ça, don de guérison, manifesté ensemble avec don de foi, ou tiens parole. Parfois, vous allez faire un acte qu'il va être capable de faire. Le beaucoup de gens là aussi. Excuse-moi, il y a une place que Jésus-Christ, si même donc sur le du monde, tu mets de l'huile. Et par exemple, on a juste sa référence. Est-ce que c'est dans Matthieu 6? Oui. Matthieu 6, si vous ne pouvez pas préférer, verset 55. Jésus-Christ, il anoint the eyes of that person with saliva. Faire l'onction d'huile, faire l'onction d'huile, faire l'onction, les tisser les salives, ainsi de suite. Et une place que la Bible dit, 26, tu y allais. 26, tu y allais, tu prêches la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez préférer là? Jean 6, verset 55. Pourquoi 26, tu y allais, tu fais l'onction d'huile de Bandimon? Tu as pour guérison de beaucoup de Bandimon sur ta vie. Est-ce que tu es plein pour? Jean 6, verset 55. Sur une page, j'ai envie de dire, excuse-moi, vous deux. Marc. Marc, chapitre 6, et le verset 55. Marc 6, et le verset 55. Jésus-Christ, ça veut dire, tu as les yeux débordés, tu sais, allez, prends la parole de Dieu, et il est là, oui, tu as un champion. Est-ce qu'il y a un disciple, tu as allé, tu prends la parole de Dieu, et oui? Non, pas, je prends la parole de Dieu. Ok. En tout cas, il y en a beaucoup, même parce que Jésus-Christ, il met donc et même un disciple, me pourrait dire de référence, hein, vous dites, un disciple, quand tu as dit, tu prier pour un quelqu'un, et un disciple, tu mets donc le bandit monde. Ok, ça, c'est le don de guérison. Madame a pépé, dit, 10 ans, voilà, 12 ans. Jésus-Christ, il exerce le don de guérison, pour ça, tu m'en as guéri, mais beaucoup de jours, là. Un autre don qui manifestait, c'est le don de miracle. The gifts of miracle. The gifts of working miracle. Ça aussi, c'est un quelque chose, donc, qui, nous, enfant de Dieu, nous gagnerons à marcher, et pour nous, ça. Par exemple, cyclone levé, gros cyclone, gros divan levé. Gros cyclone, gros divan levé de la terre, de la mer plutôt. Jésus exerce ce don de miracle. Calmer sa cyclone-là, calmer sa tempête-là. Vous pouvez prendre un exemple encore. Jésus, mais Jésus t'y servit, hein, de miracle. Parole de sagesse. Parole de sagesse. Et comment ça se manifeste dans la vie de Jésus? Mais la foule peut venir. Jésus dit non! Non, c'est là où on a besoin de la foule, là. Là, on a besoin de tout seul prier, là. C'est la sagesse, ça. Parfois, on a besoin de couper tout le monde contact sur Facebook, parce qu'il me donne un moment, on a besoin de prier, là. C'est la sagesse. Quelle est la sagesse qui peut dire? Tu ne finis bien. Toi, les trucs, tu ne finis bien. Tu veux que tu as besoin de faire, là? Allez, présente-toi pour le sacrificateur. Allez, présente-toi pour le sacrificateur. Allez, tout le fond, là-bas, comme on vous dit. C'est quoi, ça, la sagesse? Quelle église est sortie, frère? À soutenir au pasteur. C'est quoi, ça? La sagesse. Vous avez compris ce que vous pouvez dire? Le don de sagesse vous est manifesté dans la vie. Allez, allez. Ça dit, moi, là, Jésus finit de délivrer lui dans Marc chapitre 5, les rois suivent Jésus. Jésus dit, non, pas venir avec moi, c'était là. Allez à Décapolis, elle raconte tout. Ta famille, combien le Seigneur fait pour toi? C'est quoi ça? C'est la sagesse. Il paraît que moi, tiens, un serre, il va à l'église tous les jours, il va à tout réunion qu'il y a dans le seul endroit. Arrivé à son mari, il va lui discuter. Il va dire, pasteur, mon mari, il va lui dire, parce qu'on va à tout réunion. Il va dire, mais tu connais? Alors, il dit, réunion de toute l'église. Ben, les autres réunions, c'est secondaire. Tu peux trouver ton mari, pas pour la guerre, toi. C'est quoi, la sagesse? Don de sagesse, vous êtes manifesté. Ok. Donc, vous trouvez les dons de connaissance. Don de connaissance, ou bien parole de connaissance. Ça veut dire parole de connaissance, ou fini gain une pensée, ou fini gain une parole concernant Dimona, qui l'infère, comment l'infère, qui arrive, ou dans quelle situation l'idée. Par exemple, je suis sur dans l'église, et tu finis de connaître Dimona sur la main, c'est, hé, fais-toi debout, et tends-toi la main. Jésus-Christ, c'est fini de connaître. Beaucoup, Jésus-Christ, c'est fini de connaître qui m'en a fait penser. Et là, Jésus-Christ pour répondre maintenant. La semaine, quelqu'un téléphone les pères en l'éther, pasteur, priez pour moi, comment bon Dieu dirige. Ok. On peut prier pour moi, bon Dieu, dirige-moi. Et quand on peut prier, dans la prière, on peut dire, bon Dieu, pour t'être magnifié. Après, on peut commencer à prier. Sans qu'il me connaît, effectivement, il peut dire avec un propriétaire, et le propriétaire, sur la case, il prend fait, et situation-là, autour d'y fait. Peut-être parce que non, mais là, on peut prier. C'est quoi ça? Parole de connaissance. Quand parole de connaissance manifestée, on va se dire, hé, hey, moi, je connais la divinité que toi. Après, là. Hé, hey, moi, je connais le but de péché. Jésus s'est manifesté parole de connaissance. Tu as 6 maris. Après, Jésus n'arrive la même. Ça, mais ça, c'est aussi. Tu as 6 connais le problème. Après, qui te fait là? Ah, mais ça, mais ils appellent du monde. Tu as 6 connais le problème de journal sur la vie. Mais après, nous servons de la folle là. Allez. On va payer à qui je sois toi aussi. Allez. Désormais, ne pêche plus. Je viens de prendre, donc comment mettre quand même tout en paix calmée dans le nom de Jésus. Bon Dieu, t'as tout magnifié. Oui, te servis parole de connaissance pour détecter le problème là. Te servis donc
de sagesse, donc de foi, pour prononcer ce qui vient, pour faire ce qui vient. Vous avez compris la pensée? Quand nous vivons la vie avec tout ce abandon spirituel là, pour la vie, pour une bénédiction pour vous-même et pour les autres du monde. Et il y a un don qui beaucoup fois nous ne pas trop trouver parce que quand il est caché de sa phrase. Mais qu'il dit, hein, de 1 Corinthiens 12 et le verset 28. 1 Corinthiens 12 et le verset 28. C'est un don qui parfois ne pas trop donner l'attention. Parce qu'il beaucoup, il dit trop caché de sa verset là. Il s'est lu le mot là-bas, don de secourir. Je trouve ça, don de secourir. Je ne peux pas souligner que les autres de la Bible. Don de secourir. 1 Corinthiens 12 et le verset 28. Don de secourir. Vous connaissez quoi le don de secourir? C'est qu'il nous peut commencer dans l'église. Acts of love. Acts of love. En anglais, c'est gifts of help. Help others. Helping others. Win and lead. Faire quelque chose pour le monde qui a le besoin. Voilà! Mon frère, mon sœur, à quoi ça sert si Jésus peut manifester? La foi, on peut manifester. Après, on va aider quand le monde a le besoin. Montre Jésus manifester sa don là. Manifester, veut dire, montre sa don de d'aider du monde là. Montre ça littéralement. Montre acts of love dans la vie de Jésus. Les gens que le même pire, maintenant, dans la pire. Jésus guérit, il correct à aller manger. Aider, comment se prévoir à manger, tout ça là. Je vais donner un exemple. Elle, madame, Jésus aidé. Madame, tu veux dormir. Jésus aidé pour les vies. D'ailleurs, la Bible dit clairement dans, allez, je vais ça. Marc chapitre 1, verset 31. Marc chapitre 1, verset 31. Les séries carrément sa verbe là-bas. Jesus helped her to get up. Non? Jésus est dit? Bien. S'étant approché, il la fit lever en lui, prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. En français, il tient une tente sur la main, il prend lui, et me content de la vie, bébé, il dit, il stretch his hand, help her to get up. Enfin, monsieur, est-ce que vous réalisez qu'un jour, il est tombé d'un péché, qu'un jour, il est tombé d'un mal porté de n'importe qui chose, c'est un don qui bon Dieu nous doit, c'est la grâce qui bon Dieu nous doit pour partir de l'hiver pour aider pour lui relever? Nous en parlons avec les mathématiques anglais français. C'est la grâce qui te donne pour toi de aider de ce sujet-là. Ce foyer pas correct. C'est la grâce qui t'a donné pour aider de ce foyer. Dis-moi, papa, peu importe comment tu m'en tombes, dans n'importe qui secteur, il est tombé. Dans n'importe qui secteur, il besoin d'un coup de main pour élever. Dis-moi, papa, comment c'est un business, tu connais comment organiser tes affaires, tu peux aider pour lui commencer ce business. Parce que là, tu as besoin d'aide pour faire tes affaires, tu peux aider, tu peux secourir, tu peux aider pour lui faire tes affaires. C'est un don de secourir, d'aide. Acts of love. La Bible dit, we are the workmanship of God created for good purposes. Nous sommes des ouvrages de la main de Dieu. Bon Dieu, crée-nous pour faire une bonne œuvre. Mais comment une bonne œuvre a été dans l'église? Un enfant de Dieu, quoi de ça une bonne œuvre a été? Je vais vous donner un exemple classique. Jésus rentre dans un endroit, Marc chapitre 5. Sa boucle qui est là-bas là, il est blessé. Il est coupé. Il est saigné. Il est du mal partout. Il est parti dans l'église. Quand Jésus-Christ est délivré, est-ce que Jésus manifestait juste don de discernement pour discerner qu'il y a un esprit mauvais, don de foi pour chasser des démons après arrêter quand même? Non! Jésus n'en a plus que ça. Jésus fait acts of love. Jésus s'est courir lui. Vous connaissez les versions de la Bible que dit? Parce que lui, il va venir avec de l'huile, littéralement de l'huile, in anoint his wounds. Et là, il faut comprendre quand tu es dans sa Samaritaine. La Samaritaine, pas tu te rappelles du monde au chemin qui tu gagnes à pied. Qui Samaritaine tu fais? Tu mets de l'huile, tu bandes sur plaie. Est-ce que je suis en français, ça? Bande souplée. Après, là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'aise au dimoula. Pourquoi Jésus a l'aise? Acts of love. Donne l'aise du dimoula parce qu'il est bien l'aise à ce là. Il y a du mal, mais t'as cette place là-bas, littéralement, quand tu coupes oublie. Peuple de Dieu, la vie chrétienne, le royaume de Dieu, l'extraordinaire. Si nous laissons tout ça, nous l'a manifesté. L'église n'a pas de gloire en gloire encore davantage. D'ailleurs, la Bible dit clairement, ça va nous l'a donné pour. Qui veut les servir là-bas, une jolie phrase, c'est service. Commune. Utilité commune. Utilité commune. Pour l'utilité commune. L'utilité, ça, t'as là. Ok. Donne-moi des minutes, on va terminer avec des dons encore. Don de, bon, don d'aide, on a fini causé. Merci Jésus. Gifts of prophecy. Le don de prophétie. Le don prophétique. Le don de prophétie. Ah, Jésus, souvent, il prophétise dans la vie beaucoup, Mandimon. Jésus prophétise beaucoup, Mandimon. Je voulais que bon Dieu permette de manifester ou bien mouvoir dans le don de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3. La Bible dit le don de prophétie, bon Dieu finit de donner pour nous causer avec Mandimon, pour nous fortifier les autres, pour nous encourager, pour nous réconforter. Trois raisons tout seul. Fortifier, encourager et réconforter. Souvent, Jésus, il manifestait ça dans le mais Jésus qui vous dit, allez, ce petit film finit délivré de sa problème là. Un dimanche, quand Jésus, motifie tout le monde, pas ça des mots là. Jésus trouve sur la page, tu connais? Allez, te tifie, il finit de délivrer de ça. Et quand il y a la case, il te suffit de relever le livre. C'est quoi ça?
don prophétique qu'il manifestait. Ne crains point, je suis pour vivre, j'ai un russe. C'est quoi ça, parole prophétique? Vous voyez que non, c'est pas au pasteur, au guide, même parfois, ou même. On dit, pas qu'à soit tête, toi, tout vous courez. Bon Dieu, vous faites si, mais faites de grands racas, bon Dieu, vous faites si, mais. Pourquoi ne pas réaliser, mais c'est parole prophétique qui nous déclencher. Le don de prophétie. Don de prophétie. Oui, vous connaissez vos conscients qui parfois, il y a une prophétie détaillée hein, pour l'île Maurice, et il y a divers dons, la Bible dit. Ça pas fait où vient le prophète? Comment parce que peut-tu t'expliquer le cœur des prophètes? Ça pas fait où vient le prophète? Quand peut manifester ce don prophétique? Mais, n'empêche que tout le monde, dans l'église, capable, marche dans sa don prophétique là. Le don, the gifts of prophecy. Merci Seigneur, merci Jésus. Bon, voilà. Alors, ne fais pas simplement de tout bandon, c'est pas tout, hein, c'est pas, it's not the exhaustive list. C'est pas toute la liste complète. Il y a plusieurs bandons capables d'étudier eux-mêmes. Mais ça, c'est quelques-uns qui m'ont fait souligner. Et sur le prochain, le groupe d'État, pour l'État, un, pour bandon, pour bandon, comment on est capable de comprendre plus sa bandon-là, comment il manifeste de Jésus sur la vie, comment on est capable d'aspirer sa bandon-là, à quand qu'il s'est manifesté dans la vie, et qui ouvre sa vie chrétienne-là, joyeux, pas si sous, et on est capable de bénéficier des jeux du monde. Amen. Le premier affaire qu'il faisait faire, écrire sa bandon-là, elle est partie. On va leur couvertir la Bible. Écrire sa bande spirituelle là, leur couvertir la Bible. Tous les jours qu'on prie, vous ouvrez sa couverture là, vous dire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me croire. Parce qu'il a dit aspirer au don spirituel. Aspirer, il a désirer. Connais avant l'Ila, après te désirer, toi, tant qu'il s'est manifesté. Il a connais l'Ila avant, après te désirer. Ce qu'il m'a fait faire, aujourd'hui et des trois semaines qui vont venir, mon frère, connais qui va nous donner. Après toi, là, tu as besoin d'aspirer, tu as besoin d'attendre. Qui s'est révélé, qui s'est manifesté de toute la vie. Amen. Alors, Seigneur, vous priez dans le tout, nous disons ça. Nous disons Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remercie. Je te accorde-moi la grâce pour marcher, pour opérer dans ma don spirituel. Me déclarer le don de discernement et manifester dans mon vie, dans mon église. Interprétation des langues. Le don de foi aux douze montagnes. Le don de foi. Multiplication, le don d'enseignement, de prêcher au nom de Jésus. Matan, à partir d'aujourd'hui, le don, comment manage, propre la vie, diriger, administrer, responsabilité dans l'église, les manifester dans mon vie. Le don de guérison, pour moi-même être guéri, pour moi capable, apporte la guérison. Dans les autres du monde sur la vie, le don de miracle, le don de sagesse, le don de connaissance, le don acts of love, aide les autres, et le don prophétie fait manifester dans nos vies, dans nos pasteurs, dans tout le monde, dans nos églises. Merci Seigneur, te l'enlève, pas de faux raisonnements, pas d'ignorance, aujourd'hui. Merci Jésus. Amen. Donc, vous avez une bonne jolie phrase. Sa parole prophétique qui bon Dieu, nous le Daniel, le chapitre 2 et le verset 6. Les rois qui dirent à Daniel, diamant au rêve, au bout de ta bancadou. Promessage pour terminer ce point-là. Dieu Jésus au rêve. Moi, vous pouvez rêver pour vivre longtemps. Vous pouvez rêver pour tous les enfants et mes enfants. Mon Dieu Jésus au rêve. La vie qui est couverte, et pour le moins le don de sagesse, qui m'a besoin de faire ça à l'école là pour les vivre longtemps, l'exercice, qui vous a mangé, qui n'a pas besoin de manger, comment pour faire ce qui a besoin de prier, contre le jour de la grâce, qui aurez-vous? Amen. Bon, bien, bon, dans une journée, le Seigneur bénisse, bon dimanche, après que vous terminez bientôt, on n'a pas oublié pour les fêtes des parents, comment se pense, comment on peut honorer aux parents, un acte of love pour maman ou papa, comment on peut bénir Van là, les annonces. Présence passante des temps passés. Dans ta présence, le révèlement de l'équilibre. Dans ta présence, Seigneur, la vraie liberté. Au Saint-Esprit, Saint-Esprit.